Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo cuisine et on va se faire une salade de pommes de terre et ça sera ma troisième salade aux pommes de terre. Alors, cette fois-ci c'est une salade qui se mange un peu tiède et vous faites ça aussitôt, vous servez. Alors, vous aurez besoin de pommes de terre, soit 1 kg de pommes de terre, mais j'ai un pain ici là. Et j'avais une pomme de terre que j'avais laissée, que j'ai demandé à ma fille de couper, de mettre dans la marmite, que vous allez bouillir et puis mettre dans le passoir pour faire couler de l'eau. Et faites attention, ne overcook, on dit comment. Ne pas trop bouillir votre pomme de terre parce que moi j'ai. J'étais sur mon Instagram en train de poster mes photos et puis j'ai carrément oublié que j'avais mis des pommes de terre. Alors, vous ne voulez pas avoir des pommes de terre qui sont trop mous là. Et c'est bien de faire ça avec les pommes de terre qui vont au four. Parce que même si ça se casse et même si c'est trop cuit, ça ne va pas vraiment faire la pagaille dans votre salade. Alors, vous aurez besoin de 4 ou 5 slash de bacon. En français, on dit quoi? Je sais pas, j'ai oublié. La, je sais quoi là. Hein? Le bacon, c'est la, je sais, là, quelque chose là, j'ai oublié. Et vous faites sauter ça sur votre poêle, que ça soit un peu crispé comme ça. Et vous récupérez le fat de bacon et c'est ça qui va nous servir de chauffer les oignons. Hein. J'ai un demi oignon. Vous aurez besoin du vinaigre, 60 ml de vinaigre, un peu de poivre noir et puis le sucre. Une cuillerée à café de sucre. Si vous voulez manger beaucoup de sucre, vous mettez beaucoup de sucre. Et je vais mettre aussi un peu de sel. Et je vais mettre le persil. Ok. Pour commencer, sans oublier 60 ml d'eau. Donc 2 à 3 cuillerées à table d'eau. Je vais sauter les oignons avec le fat de bacon. Et je vais servir l'assiette parce que je vais utiliser l'assiette. Je augmente un peu le feu. Après avoir sauté l'oignon, je vais mettre le vinaigre blanc. Je vais mettre le sucre. Je vais passer la chauffe aussi. Puis je mets un peu de l'eau. On va laisser mijoter un petit peu. On va ajouter le sel.
goûte le sel. Je n'aime pas aussi trop de sel. Donc, au milieu là, j'ai laissé un peu. Et on arrive à ce point, on ajoute les pommes de terre, on mixe. Et je lance le bacon. Je overcook ma pomme de terre et je mets le cylindre. Je mets le feu. Terminé. C'est vraiment très facile à faire. Vous voyez comment ça fait? J'ai trop bouilli mes pommes de terre et voilà. Vous faites attention quand vous allez faire ça, ok? Ne faites pas comme moi. Voilà. Je vais goûter à votre place. Ok. Alors, si vous voulez, vous pouvez. Je veux pas que ma table se gâte. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de dressing au cerveau, mais sinon le manger comme ça c'est très bien. Et nous quand on fait ça, on mange avec le poulet, les côtes, le steak, le poisson braisé. Voilà comment on mange ça. Mais là, je vais juste goûter pour vous. Très bon. Pas trop sucré, pas trop salé, donc au milieu. Alors voilà. Trop bon. Je voulais en profiter pour remercier toutes les personnes qui sont abonnées dernièrement. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui s'abonnent. Et ce matin, il y a eu, je crois, deux ou trois personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et je voulais vous dire merci du très fond de mon cœur. J'ai aussi une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je veux créer une deuxième chaîne, mais la vidéo viendra. Ok, la vidéo viendra, mais j'attends encore les choses que j'ai commandées et puis je ferai la vidéo. Et je laisserai les infos sur cette chaîne, les infos de la nouvelle chaîne sur cette chaîne. Alors, je vous dis merci beaucoup et bon week-end à tous et bon, passez des bons moments, que le mois de mars soit vraiment très bénissant, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire durant tout ce mois. Et je voulais aussi
dire des gros bisous à maman Mimi. Et je sais que tu vas passer par là, tu me demandais, tu ne postes pas. Alors, il y a une recette. Je ne sais pas si tu as déjà fait toutes les recettes que j'ai postées là, je ne sais pas. Alors, je dis aussi à maman Flore, gros bisous et on se retrouve lundi. Bisous.